Merci messieurs, mesdames et messieurs, bon après-midi. Eh bien, cette première course qui sourit à Blazing Heart. Voilà un cheval qui tournait autour du pot depuis quelques temps, mais il n'avait jamais eu ce petit soupçon de réussite. Mais c'est fait cet après-midi. Première victoire pour Blazing Heart Sud-Est. Donc on va dire une victoire amplement méritée. Oui, sur les courses, ici bien, ici, beaucoup de secondes places avec une troisième place. Et je peux menacer dans 0-20. Et comme on veut dire, ça c'est valable tout le temps. Les placer, après les tirer un petit pépin. Et après, pour dire, soit là, jamais, l'année jamais nous montrer qu'on va dire qu'on gagne les courses. Bref, il descend les mines à 0-20. Et nous, le dame est bien content parce que le propriétaire. Et le propriétaire prend bien prend pas chance pour gagner la première victoire là. Pourquoi après ce 17e, ce chicken, il reste gagné la victoire là. Non, pour moi, enfin, pour dire aussi, soit là, pas tout pour moi, la fin de la saison, je vous recherche à l'effectif. Et non, il reste bien gagné sur les courses, mais on pense que le carré est Et non, je suis bien content pour ce propriétaire, je suis tout pour ce propriétaire, et parce qu'ils ont été un peu déçus que ça se voit là. Et non, ils vont pouvoir gagner une victoire, comment sont les journées aujourd'hui. Alors c'est bien Sud-Est, alors c'est vrai qu'aujourd'hui, Pen & Fulcard, un en 4 ou 5 chevaux qui défendent les couleurs d'écurie Gilbert Roussette. Alors un petit mot sur chacun des opérateurs, notamment dans la prochaine, il deuxième matin, qui sort le 1800 Révin Lorraine Sprint, mais la dernière fois, as-tu bien galopé? Est-ce qu'il y a l'espoir et de mise? Non, il est un matin, parfois, souvent les courses, il est on and off. Parfois, tu oublies de galoper bien, parfois, il n'est pas galoper bien. Et le Falun, tu mettais du 150, après, il passait dans les courses pour lui. Et malgré ça, il est bien galopé une 23e place. Et là, nous aurait retourné sur 1400 mètres. Et il y a une bonne ligne, mais pour penser, il peut aller pour tel. Alors, il y a également Riding Shotgun. Riding Shotgun, écoutez, ça c'est valable, l'année dernière, il restait sur les courses, en allant là, il est bien décevoir nous. Nous mettons tout à fait l'équipement, il n'est pas fait mort, même. Et là, aujourd'hui, nous tient sa pacifiers là, Oli. Et enfin, moi, j'espérais qu'il fasse bon les courses aujourd'hui. Et finalement, Isida Road Trail, Sud-Est, la dernière fois, un peu malchanceux. Est-ce que vous pensez qu'il est capable de faire la différence aujourd'hui? Oui, la dernière fois, comme on veut dire, nous allons au parcours, nous avons eu loin de 650. Là, nous réamenons loin de 450. La dernière fois, nous mettons un side wingers, Oli. Vous pensez, moi, qu'ils ont fait un petit bounce, un petit peu au départ, pour garder la position. Vous pensez, souvent, là, ils tirent. Après, souvent, là, pas de même finir ce que moi, j'ai gagné là. Et aujourd'hui, malheureusement, encore, qui n'a pas une mauvaise ligne, nous vous mettons dans les courses, nous vous mettons une bonne position, nous espérons que vous rendez la ligne droite aujourd'hui. Et quand il y a un paquet de fonds de dans les courses, là, on pense d'ici qu'il va faire l'arrivée. Eh bien, Sud-Est, merci, bravo pour cette première de Blazing Heart. Comme quoi, dans sa game-là, vous avez patience et la patience a payé. Avec la première de Blazing Heart, on retrouve Jugger Rajiv. N'oubliez pas, le place accumulateur commence maintenant. C'est à vous, messieurs.